Yahoo Yibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo conclusion de maison d'édition. Et cette semaine on va parler de la maison d'édition Komiku. Donc la maison d'édition Komiku, je dois te l'avouer, c'est la première vidéo du coup pour la conclusion qu'on va faire. Parce que tout simplement je n'ai pas lu beaucoup de titres en ce qui les concerne. Et que j'attendais donc du coup d'en avoir lu un minimum pour faire cette vidéo. Un peu comme Kaze où c'était aussi la première fois parce que Kaze je n'ai pas beaucoup lu de titres chez eux. Pour Kaze ce n'est pas que je les déteste ou quoi que ce soit, c'est juste que ça s'est pas fait. Pour ce qui est de Komiku, je pense que ma plus grosse erreur en fait a été de m'intéresser aux petits titres pas très connus, parce que déjà j'ai commencé moi à m'y intéresser en 2015-2016 à leurs titres, donc c'était pas là où il y avait toutes leurs grosses séries qui sont maintenant très appréciées, telles que Somalie l'esprit de la forêt, Minuscule, si je dis pas de bêtises c'est à eux, L'enfant et le maudit, ou The Ancienne Magus Bride. Enfin voilà, moi j'ai vraiment tapé dans les toutes petites séries et c'est peut-être la grosse erreur que j'ai fait parce que personnellement j'étais quand même plutôt déçue. Et je vais te montrer pourquoi. Et tu auras quand même cette fois-ci, par contre, même si j'étais pas mal déçue de les titres de cette maison d'édition que j'ai pu lire, il y aura quand même un top 5 comparé à Doki Doki où là il y avait clairement pas de top 5. On commence avec Assassin, un manga en 3 tomes. Et en fait, je sais pas si t'as connu le film Léon. Mais Léon je crois, mais moi j'ai un vague souvenir de ce titre, de ce film, alors que je l'ai en plus en DVD à regarder, mais je trouve que ça y ressemble un petit peu, ou en tout cas ça fait penser aussi à un autre titre qui est de je sais plus quelle maison d'édition, qui était aussi en 3 tomes, Relord, c'est du coup de Doki Doki je crois. Et c'est à peu près le même genre de scénario, c'est une femme assassin mais qui s'occupe du coup de protéger un enfant, etc. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa et c'est l'un de mes mangas préférés d'ailleurs dans cette maison d'édition et c'est même l'un que j'ai gardé. Car j'ai vraiment pas gardé grand chose chez eux. Je vais te dire le titre là parce que honnêtement j'ai jamais su comment fallait le prononcer. C'est une œuvre en 2 tomes, il est classé comme Josei et honnêtement c'est pas du tout un Josei. Mais au niveau du contenu, je veux dire, ça n'a rien à voir avec un manga qui vise les femmes, ça n'a rien à voir avec une femme mature. Ni au niveau du scénario, ce n'est absolument pas une romance. Je sais que ce n'est pas forcément que des romances, mais voilà, ce n'est pas du tout ce genre de public-là qui est visé. C'est ça que je veux dire, c'est plus un seinen à mes yeux. En ce qui concerne ce manga, peu que je m'en rappelle, c'est un enfant qui avait perdu ses frères, ses grands frères, et qui, par truc assez bizarre, il reçoit une boîte. Et ses frères vont ressusciter. Le premier tome était génialissime, il était vraiment très intéressant. Le deuxième par contre était un flop mémorable. Dans le deuxième tome, on voit que la série a vrillé dans le mauvais sens. En fait, au lieu d'aller là, elle est partie dans l'autre sens. Et ça a été une énorme déception, ce qui est bien dommage parce que le premier tome envoyait vraiment du lourd. Pour ce qui est du manga Courrier des Miracles, qui est un manga en 3 tomes, très clairement, je vais te faire un résumé. C'est la même chose que les Turbies. C'est le même principe que Letterby. Donc voilà, moi je venais juste de commencer justement Letterby en manga. J'avais tapé un petit peu dans l'animé. L'animé, je crois que ça se dit animé, je sais plus. Bref, toujours est-il. Donc quand j'ai vu, ça ressemblait assez proche. J'ai pas accroché du tout parce que c'était pas mon délire. Ensuite, on continue avec le manga Dilemma. C'est un manga, lui, par contre, en 8 tomes. Et lui c'est vraiment un manga que j'ai surkiffé, d'ailleurs je l'ai revendu mais je regrette, donc très clairement en ce moment je suis en train de regarder sur Vinted s'il n'y a pas des lots pour me le racheter. Donc Dilemma, on va dire c'est plus ou moins, même si c'est grossier et c'est mal fait de résumer ça comme ça, c'est le même principe plus ou moins qu'un survival game mais c'est dans l'autre sens. C'est à dire qu'au tout début tous les personnages vont mourir et au fur et à mesure de l'aventure, sauf un élève, et on va lui dire, écoute, tu as aussi une sorte de mission d'énigme à résoudre. C'est comme il y a des fois dans les autres survival games où il faut résoudre un problème. Et après, sinon, il y en a un qui crève. Ben là, c'est, si tu ne résous pas le problème, tu crèves. Si tu résous le problème, je ressuscite la personne qui est responsable. Lui dit, je te ressuscite un de tes camarades de classe. Mais réfléchis bien, parce que forcément, il faut qu'il puisse être intéressant pour la prochaine étape. Et après, ça sera par exemple ressusciter 2 élèves, puis 4, puis en gros, le but est de ressusciter toute la classe. Mais le manga en soi a un message aussi par derrière qui est très intéressant, et donc j'ai surkiffé cette série. Oui, et tu vas pas l'entendre souvent. Donc, retiens bien les titres que j'ai surkiffé. Ensuite, on continue avec Dodoma, un manga en 3 tomes.
J'ai abandonné au bout d'un tome, voire un tome et demi, tout simplement parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action, mais sans texte. Au tout début, tu avais un petit peu de texte, on t'expliquait un petit peu où tu étais, les personnages, leurs relations, blablabla. Et après, tu as des ennemis qui débarquent de nulle part, on sait pas pourquoi. Il y a une espèce de baston où tue tout le monde, nanana. Et super pouvoir, super machin, créature bizarroïde. Pendant tout le volume, et t'es là, oui, mais il se passe quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Rien. Presque pas un mot. Même les personnages entre eux, ils ne se parlent pas. Il y a de l'action, c'est des cris, c'est des trucs comme ça. Et le volume suivant, ça continue dans le même sens. Donc j'ai préféré abandonner. On continue avec Dresseuse de monstres. Alors là, par contre, ça, c'est un manga aussi que j'ai beaucoup apprécié. C'est une œuvre en deux tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai oublié de mettre la tête, donc j'ai mal. Et donc, en ce qui concerne le manga, on suit les aventures de jeunes filles qui sont dans une école où elles apprennent à dresser des monstres. Les monstres, c'est des dragons, des trucs comme ça. Et en fait, c'est un peu comme avoir un club d'équitation et devoir brosser le dragon, le nourrir, en prendre soin, faire attention à sa santé, des trucs comme ça. Mais c'est très mignon, il y a pas mal de messages cachés et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, on va continuer avec Fatima, la déesse de la vie. Alors le manga Fatima va nous parler d'une religion du coup en particulier, d'une façon de faire, d'une façon de vivre, qui est assez différente de la nôtre. Et on suit donc Fatima, la fameuse déesse de la vie qui existe, enfin, dans l'ordre. Voilà. Et la première fois, alors je l'ai lu deux fois ce manga. La première fois j'avais plutôt bien aimé, ça allait, j'ai trouvé ça sympa. La deuxième, je n'ai pas du tout apprécié parce que j'aimais pas du tout la façon en fait dont Fatima avait été traitée, etc. Et l'œuvre en soi, plus sa qualité des dessin qui était pas ouf. Donc la deuxième fois, j'ai vraiment pas accroché. J'avais abandonné avant la fin du tome 2, il me semble. Mais j'ai dû refaire une vidéo récemment justement sur ça. Ensuite, une double présentation car on a Kiriko et on a Kiriko Kill. Kiriko, de base, était un one-shot. On nous l'a vendu comme ça et on nous a donc pondu une histoire des anciens élèves qui se retrouvent dans leur ancienne école qui est abandonnée. Bien entendu, éboulement, mauvais temps, éboulement, donc impossible de faire demi-tour sur la route. Et comme par hasard, le soir, il y a de la pluie, il y a de l'orage, il fait pas beau, blablabla. Et bien sûr, il y en a certains qui commencent à mourir. Donc, c'est découvrir, un, qui est cette personne, créature ou autre qui les tue. 2. Survivre. 3. Messages cachés dans la série. Donc, Kiriko est un one-shot que j'ai surkiffé. Par contre, pour ce qui est de Kiriko Kill, c'est la suite directe. Quelques mois, slash années, plutôt années après, on suit toujours les survivants. Mais le tome 2, en fait, Kiriko Kill, est un palier pour un éventuel tome 3, voire 4. Et il est pas très très intéressant à lire. Comme ça. Enfin, vaut mieux attendre qu'il y ait Kiriko 3 et voire peut-être 4 qui sortent plutôt que de le lire parce que sinon c'est sans intérêt parce que c'est vraiment juste un volume pont entre deux étapes. Voilà. L'île du temps. Un manga donc où on suit des acteurs sur une île et il y a des meurtres, etc. Le manga était très intéressant, par contre j'ai eu du mal à comprendre vraiment le dénouement final. Mais l'histoire en soi était plutôt intéressante et plutôt sympa. On continue du coup avec le livre des démons. Là on va suivre un plus ou moins humain qui est libraire. Enfin, oui, c'est plus une librairie qu'une bibliothèque. J'allais dire bibliothèque, mais non. Voilà. Et une espèce d'enfant qui traîne tout le temps dans la bibliothèque. Et on découvre que tous les deux vont à chaque fois que dans les villages voisins. En fait, ils ont le facteur qui leur raconte à chaque fois « Oh, mais dans tel village, j'ai entendu parler d'une femme bizarre. Ce serait peut-être un esprit, un truc comme ça. » Et à chaque chapitre, en fait, ils vont aller voir cette fameuse créature donc fantastique qui dérange le village, résoudre l'enquête et détruire, voire emprisonner ou que ce tu veux, la créature fantastique. Et voilà, donc c'est ça. Sauf que sur les deux premiers volumes, on ne développe pas assez, on ne sait pas grand-chose. Je trouve ça un petit peu ennuyeux parce que c'est un chapitre, une histoire au final. Et j'ai pas trouvé quelque chose de captivant en fait dans l'ensemble, j'ai été plutôt déçue
de ces deux premiers volumes, et donc je ne suis pas allée plus loin, j'ai abandonné la série, mais je te mettrai bien entendu en i ou en barre d'infos les vidéos de tous ces titres-là. Je te mettrai carrément la playlist Kiun parce que ça sera plus simple pour toi pour retrouver, il n'y a pas Donc grand-chose. voilà, ensuite on continue avec un manga que j'ai présenté il y a très très peu de temps parce que je l'ai présenté ce mois-ci. C'est le manga Le patron est une copine. Dans ce manga, nous sommes donc sur un one-shot qui va nous parler d'un homme qui a un travail de jour en tant que supérieur hiérarchique, mais ce n'est pas non plus le gros patron. Et le soir, il est travesti dans un bar et c'est quelque chose qui lui plaît énormément, dont il est d'ailleurs très heureux. Seulement, en fait, le premier soir, on va découvrir qu'un oiseau, voilà, parce que c'est pas des humains, c'est des créatures, enfin, c'est, voilà, des bestioles, un oiseau va aller dans le bar parce qu'il est étranger et qu'il s'est dit qu'il voulait un peu tester un peu tout, en fait, au Japon. Et il va aller dans le bar à travesti et il va tomber amoureux de notre personnage principal, donc le petit lézard. Et ça va être, en fait, le manga, en fait, mais surtout en avant la peur. Du regard des autres, la peur d'avouer en fait être travesti, ou c'est un peu même la peur aussi d'être homo, etc. La peur de si dans mon vrai boulot on le découvre, est-ce que je vais toujours regarder mon emploi? Est-ce qu'on va me regarder toujours de la même façon, etc. Le manga est très intéressant, même si la fin a un petit peu tourné au vinaigre, mais je te laisserai aller voir du coup ma vidéo que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps, du coup, bah, la semaine dernière pour toi. On continue avec le titre Les Oubliés. Et eh ben, je vais te dire clairement que j'ai complètement oublié. Et ce n'est même pas juste fait pour le jeu de mots. J'ai clairement oublié cette série. J'ai lu le premier tome, j'ai fait une vidéo. Est-ce qu'elle y est encore? J'en sais rien parce que ça, c'était vraiment au tout début de YouTube. Mais honnêtement, je n'ai pas du tout accroché. Et j'ai très très vite déchanté en fait parce que je trouvais ça sans. Ça ne m'avait pas captivé. Murder, je ne sais pas comment on dit. Carnation, lui par contre c'est un manga plutôt sympa. En fait, on suit les aventures d'une jeune femme, une jeune fille plutôt, qui va voir des gens quand une personne est morte. C'est-à-dire, on va admettre, j'ai une sœur, en dehors de Pika et de Pondy, hein. On va dire que j'ai une sœur, ma sœur se suicide et je suis très malheureux. La jeune fille va venir me voir en me disant, écoute, si tu veux, tu tues trois personnes aléatoirement. Qui tu veux, et moi je ressuscite du coup la personne que tu veux. Et ça va être ça, et le message en fait est que des fois, oui, nous on est très malheureux que cette personne se soit suicidée, mais des fois peut-être que cette personne est plus heureuse morte que vivante. Enfin, à chaque fois ça va tourner un peu dans ce sens-là où ça va nous faire comprendre. Je suis désolée, j'ai très très mal à mon poignet parce que j'ai pas pris mon attelle. Et ça va vraiment tourner autour de ça, et c'est vraiment très intéressant parce qu'au final, ça fait réfléchir sur pas mal de choses. Malheureusement, en fait, la série s'est écourtée en deux tomes, et en fait, on n'a pas réellement de fin parce que le manga, voilà, a été coupé en fait. C'est comme s'il a été prévu en 4-5 tomes et qu'il n'y a pas eu plus que deux. Donc, c'est très dommage, sinon, l'idée était très très bonne. Est-ce que j'ai fait une pause pour aller me chercher mon attelle parce que j'avais trop mal? La réponse est oui. On continue donc avec le manga Pygmalion, qui est un manga en trois tomes. Pour ce manga, en fait, on est sur un survival game et les créatures qui attaquent sont ni des Magicka Girls, ni des poissons, ni je sais plus ce qu'on a eu aussi d'autres, mais ce sont les mascottes. C'est un peu comme à Disney, en fait, hein, Stitch, tout ça. Mais en fait, ce sont les mascottes du Japon qui vont vriller et qui vont tuer. Alors, le manga est très intéressant, il est très bien développé, il est très bien abordé. Il n'est pas écourté, quoique peut-être sur les derniers chapitres, mais en soi, il est quand même très intéressant et je l'ai vraiment apprécié. Est-ce que j'ai couru? La réponse est oui. Sakamoto pour vous servir. En ce qui concerne ce manga, il faut savoir que c'est l'un des rares, du coup, de tout ça, de tous ces titres, qui existe aussi en version anime. Et il faut savoir donc qu'en ce qui concerne Sakamoto pour vous servir, je n'ai absolument pas accroché au délire. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est un personnage assez différent, atypique, mais je n'ai tout simplement pas accroché à la série, c'était pas fait pour moi. On continue avec Scaritoon et ce manga j'ai abandonné aussi au tome 2, tout simplement parce que je n'ai pas compris le délire. En fait, on est dans une ville où il se passe toujours des choses assez bizarres, bah, comme une fois, à un moment donné, sur un chapitre, t'as une attaque de zombies, après, mais il faut savoir, en fait, que à chaque fois, on est toujours avec deux personnages, un père et son fils, et que
dans par exemple un chapitre, le père va mourir, mais le chapitre suivant, il est à nouveau vivant, etc. Donc c'est assez particulier. On a l'impression que on revit plusieurs situations, tu sais, comme si on revivait la même journée, mais avec plusieurs types de scénarios différents. On n'a pas d'explication du tout à ce qui se passe. On ne comprend rien. Et donc, du coup, j'ai très vite décroché et j'ai trouvé ça sans grand intérêt parce qu'on ne comprend rien et on ne nous explique rien du tout, en fait. On voit juste le jeune homme, et avoir un petit job. Donc, à un moment donné, il va bosser, du coup, dans une supérette. Après, il va bosser en tant que ceux qui, tu sais, qui font les travaux dans la rue pour nous faire, par exemple, les nouvelles routes, les nouveaux trottoirs, etc. Mais on n'a pas plus d'informations et c'était assez particulier. Pareil, il y a une vidéo, donc je t'invite une fois de plus à aller voir la vidéo. Mais voilà. On continue avec Snow Illusion, qui est un one-shot où en fait c'est tout simplement les aventures d'une femme des neiges. Une fois de plus, une femme qui est immortelle, en gros, hein, qui ne meurt pas. Et ses aventures amoureuses. Mais il y a un petit truc assez différent et qui est plutôt sympa, donc je l'ai vraiment apprécié. Ensuite, on va avoir Sorcières et Ténèbres. Donc le manga promettait d'être très intéressant, il était plutôt sympa. J'ai eu vraiment un bon avis sur le tome 1. Malheureusement, une fois de plus, le tome 2 est parti en cacahuète. Et on nous a carrément cassé un peu le scénario, l'aventure, pour nous faire une fin qui n'était du coup pas prévue, peut-être en deux tomes, je ne sais pas. Mais en tout cas, la fin était assez bizarre et donc ça aussi, ça m'avait énormément déçu. C'est pour ça, tu vois, quand je te dis en fait que les titres de Komiku qui sont pas les gros titres, j'ai l'impression que, ben, voilà, tu vois, il y a plein de séries où j'ai eu l'impression que le truc était courté. Hein. Là, si on fait la liste, ça pique. Hein. Ensuite, on a Soupinou. Alors certes, il faut savoir que je n'ai lu que le tome 1, mais étant donné que c'est un manga tranche de vie, il n'y a pas besoin de plus pour le juger, sachant que la série est en 3 tomes. Nous suivons les aventures juste d'un frère et d'une sœur qui vivent ensemble, qui sont adultes, et qui ont décidé de vivre ensemble, et il n'y a rien entre eux, hein. Voilà, je précise. Et un jour, la jeune femme qui, elle, du coup, vend des soupes, va rencontrer une sorte de petite boule magique, un petit truc flottant, une sorte de petite lumière, enfin un petit truc plus fluffy, un peu, tu sais, comme les noirottes dans Totoro. Et elle va la mettre justement sous un verre ou sous une cloche, tu vois. Et en fait, le truc va grandir, donc après ça ressemble plus à une grosse boule. Après une boule avec un visage, puis après il y a une petite queue. Et en fait, on se rend compte que donc, c'est Soupinou, c'est comme ça qu'il le surnomme, vu que la jeune fille fait des soupes. Et c'est une petite créature, une espèce de petit chat magique qui vole, qui... Voilà, mais c'est rien de très développé, en tout cas pas pour le tome 1, on n'en sait pas grand-chose. Mais c'est plutôt sympa, et puis c'est mignon, et c'est un petit tranche de vie tout mignon, voilà, c'est sans prise de tête, quoi. On continue avec le manga Yako et Poko. Alors je sais pas s'il est réellement fini ou pas du tout, parce que sur internet je vois pas du tout les mêmes informations à chaque fois sur chaque site. Mais aussi, en fait, on est dans un monde un peu futuriste où les mangakas ont des assistants qui sont des robots. Et on peut choisir le mode bon à rien, brouillon ou en gros parfait. Bon, plus tu prends le meilleur truc, plus ça coûte cher à entretenir, plus ça coûte cher à l'achat, plus... Voilà, hein, donc faut choisir aussi ce que tu veux. Un bon à rien, bah, ça sert strictement à rien à part... rien du tout en fait, et le brouillon, bah, ça va être quelqu'un d'assez classique, et puis après parfait, tu sais, c'est un peu comme les premiers de la classe en gros, hein. Donc on suit les aventures d'une mangaka qui a décidé de prendre un robot brouillon, tout simplement parce qu'elle n'avait pas forcément les moyens, mais aussi parce qu'elle se voyait pas d'avoir quelque chose de parfait alors qu'elle-même n'était pas parfaite. Donc ça, j'aime bien les petits messages comme ça qu'il y a. C'est des aventures comme ça, entre chaque chapitre on a quand même quelques petits points sur l'univers du mangaka, donc ça c'est plutôt agréable. Mais après, je n'ai pas du tout réussi à accrocher au manga car il était assez particulier. Et ce n'était tout simplement peut-être pas fait pour moi, tout simplement. Je suis contente quand même de l'avoir lu parce que ça faisait des années qui m'intéressait. Enfin, depuis la sortie du tome 1 et que j'avais, je crois, le tome 1 dans mes étagères pendant un an ou deux. Donc je suis quand même contente de l'avoir lu, voilà, ça me fait une lecture en plus. Mais c'est pas le manga qui, tu vois, qui va marquer ma vie en tant que fan de manga slash otaku. Je sais que le mot otaku en français est polémique, mais voilà, honnêtement, ça me dérange absolument pas de l'avoir lu parce que je suis très contente. Donc c'est tout en ce qui concerne ma conclusion sur la maison d'édition Komiku. Honnêtement,
quand même beaucoup de déceptions. Après, j'ai l'impression que les séries beaucoup plus longues et plus connues, plus hypées, sont peut-être plus intéressantes à lire. Là, je sais que L'Enfant et le Maudit est sur le point de se terminer et j'ai commencé à m'y intéresser car j'ai acheté les 3 premiers tomes en format numérique. J'attends tout simplement que le dernier tome, le tome 11, si je dis pas de bêtises, soit sur le point de sortir et je le lirai. Pareil, il y avait Somalie, l'esprit de la forêt qui m'intéressait, Ancien Magus Bray qui m'intéresse, il y a d'autres trucs comme ça qui m'intéressent, pas minuscule parce que j'avais fait un extrait manga et j'avais pas accroché. Mais voilà, donc je suis amenée quand même à reparler de Kumiku, mais sache que j'y vais quand même à reculons, que c'est une série que j'ai presque mis en blacklist, honnêtement, parce que bah voilà, hein, quand tu vois le truc, je vais te dire la vérité, dans tout ce que j'ai, hein, sur 21 titres, j'ai 5 tops, qui sont vraiment des trucs que j'ai surkiffé, et après je vais avoir 2 titres que j'ai bien aimés, et après tout le reste c'est des flops. Donc à un moment donné aussi, pour moi, ça ne m'intéresse plus trop d'investir en achetant dans des titres de séries d'une maison d'édition où je vois qu'à chaque fois que j'achète chez eux, ça foire, tu vois. Donc il y a aussi Monkey Pick, je ne sais plus comment ça se dit, qui m'intéresse, mais pareil, j'y vais toujours à reculons où je prendrai un lot si je trouve sur Vinted ou un truc comme ça, mais honnêtement, je ne me vois pas acheter en neuf, je ne me vois pas sauter dessus dès qu'il y a un tome 1 pour faire même un extrait manga, ou un extrait si, mais un crash test, ça c'est clair et net que tu n'en verras pas chez Kumiku. Je tenais quand même à faire cette parenthèse pour que tu saches, pour que tu te dises pourquoi Ibi ne présente jamais de Kumiku, je ne vois pas de nouveaux titres chez Kumiku et tout ça présenté en crash test ou quoi que ce soit. C'est tout simplement que j'ai mis cette maison d'édition presque en blacklist. Je veux quand même une chance avec certains titres comme ça très longs, comme Monkey Pick, comme je l'ai dit du coup Somalie, l'esprit de la forêt, comme L'Enfant et le Maudit et tout ça, mais après honnêtement c'est assez bancal au niveau de cette maison d'édition en tout cas pour moi. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère quand même qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis de découvrir des titres que tu ne connaissais sûrement pas, parce que franchement moi j'ai pas entendu beaucoup d'autres youtubeurs parler de ces titres à part Dragmar hein, bien sûr, mais voilà, donc je t'invite bien entendu à aller voir les 2 précédentes vidéos que je te mets en recommandation, Ma tête de panda, les réseaux sociaux, t'as l'habitude, dans la barre d'infos le lien, la playlist Kumiku pour voir toutes les vidéos, mes autres réseaux sociaux et tout le tralala hein, les codes promo de certains sites etc etc. Je t'invite bien entendu à me mettre ta liste de titres de chez Kumiku que toi tu as lu, ceux que tu as préférés, ceux qui t'ont le plus déçu, et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve du coup ce week-end pour la vidéo top 5. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye!